Bienvenue à 100% Témis, la dernière émission de la saison qui est également notre édition spéciale musique. Aujourd'hui, on parle avec Roger Nantel, l'organisateur principal du Music Fest de Belle-Terre. On aura également droit à un reportage 2017 du Music Fest de Belle-Terre. Véronique Beaulé vient nous présenter sa dernière chronique artistique. Jordan Maillé nous parle de son lancement de livre et également de son lancement d'album. Et Alain Guibon vient nous présenter sa dernière chronique voyage. Mais avant, on rejoint Gabriel Gingras du côté de la place de Lorrainville qui se trouve avec notre artiste invité. Merci, Émilie. Aujourd'hui, je reçois un habitué de 100% Témis. Il fait les chroniques patrimoine cette année et il a fait les chroniques village disparu dans la première saison de 100% Témis. Mais aujourd'hui, je l'accueille comme artiste. Alors, j'accueille Dominique Bérubé, alors c'est Marionnette Pointue. Bonjour. Bonjour, Gabriel. Alors, cet été, on t'a connu comme coordonnateur de la Maison du Frère Moffett. Oui, entre autres projets. Mais tu as aussi beaucoup de talent dans différents genres musicaux. Oui, bien, en fait, moi, j'ai commencé à faire de la musique, je dirais, j'avais 11 ans quand j'ai eu ma batterie la première fois. Donc, ça fait déjà très longtemps. Puis, j'ai étudié en musique, c'est ça, en fait, mon background d'études. C'est les percussions latines au départ. Donc, moi, je suis multi-instrumentiste, je joue de plusieurs instruments comme tel. Et j'ai fait différents projets, beaucoup d'albums avec différents bands aussi, et de la tournée, tout ça. Là. Donc, je suis en train de repartir ça depuis mon retour au Témiscamingue. Mais c'est ça, t'as eu beaucoup d'évolution dans ton parcours artistique. T'as côtoyé beaucoup de groupes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces groupes-là, des différents types de musique que tu as? Absolument. Bien, mon premier groupe, quand j'étais ado, on a parti ici sur la rue Gauvin à Lorrainville, le groupe Ploz en 99. Et ben, en fait, Ploz a eu plusieurs moutures. Et en 2007, on a sorti un album, en fait, qui s'appelait Écorche à blanc. Donc, plus rock progressif, assez expérimental, assez flyé comme tel. Donc, il y a ma petite sœur, Audrey Dumont-Bérubé, qui joue dans ce groupe-là, qui est absolument incroyable à la base comme tel. Donc, elle a le nouveau groupe qui s'appelle Servidé, vient de sortir un disque aussi. Et pendant, ça s'est chevauché, pendant que je jouais dans Ploz, ben, j'ai eu un autre groupe qui s'appelle LBV. Louchement bien vêtu à l'époque, ou même Lorna Bobbitt Victims, pour ceux qui se rappellent l'histoire de Madame Bobbitt, je ne vais pas dire en onde, mais quand même. Puis on était vraiment 7 musiciens, donc plus percussion avec batterie, trompette, trombone, saxophone, guitare, basse et tout ça. Donc vraiment plus latin, je dirais, plus musique du monde, funky, tout ça, mais quand même avec un aspect rock aussi. Et on allait même faire des tunes de klezmer, de musique juive, là, vraiment rapide, là, mais en rock, tu sais, fait que un autre projet complètement. Puis dans ce groupe-là, il y a eu beaucoup de membres qui ont fait des carrières vraiment intéressantes. Tu sais, je prends Olivier Caron, le bassiste, en ce moment, il est en Chine pour Cavalia. C'est lui le violoncelliste de Cavalia. Simon Coutu vient de gagner 2 Gémeaux pour Vice Media. Les autres font tout de la tournée. On a eu Bell City dernièrement. Le trompettiste, ben, il était dans mon premier band. Donc, on a vraiment plusieurs musiciens qui s'en ont super bien sortis. Et ensuite, ben, j'ai joué aussi avec un groupe qui s'appelait Ambiose à Montréal, avec 2 gars de Rouen. Plus vraiment très planant. C'était un batteur, un bassiste puis un claviériste. J'ai fait un album aussi avec Moustapio en 2015, qu'on a sorti à Ottawa. Moustapio, qui est un groupe de la Témiscamingue First Nation, et de l'Ontario, du Québec, dans toutes les cultures du Tour du Lac. Plus punk rock là, à ce moment-là, plus stoner rock. Fait qu'on a sorti l'album Moustapio's Magical Murder Music en 2015. Et moi, j'ai quitté ce groupe-là pour partir mes propres trucs, pour être le leader, disons, plus de d'autres projets. J'ai un groupe maintenant qui s'appelle Maître Stator avec Benoît Racine ici au Témiscamingue. Puis on fait du rock. En tout cas, c'est assez flyé aussi. On se donne pas vraiment de limites dans notre composition. Et bien sûr, depuis tout ce temps-là, moi, depuis 99, je traîne le nom Marionnette Pointue. Donc, j'ai joué avec... C'est maintenant, en fait, que le côté solo de Marionnette Pointue sort, là. Comme tel. Fait que ça a toujours été le nom que j'ai utilisé dans mes albums et tout ça, mais comme nom de scène un peu là, à ce moment-là. Donc, pour aujourd'hui, ce que je vais vous jouer d'ailleurs, c'est complètement... j'ai jamais fait un spectacle devant personne. Là. Donc, vraiment beaucoup d'expérience, beaucoup d'albums aussi, mais tu as récemment sorti 4 autres albums. Est-ce que tu peux en parler un peu? Oui, en fait, pourquoi 4 albums? Je sais que ça a l'air fou au niveau marketing, mais l'idée, c'est que c'est de la musique que j'ai composée à partir de 2012. Depuis, j'ai eu mes enfants en 2010. Donc, j'ai jamais eu le temps, les moyens de les sortir. Et là, comme j'ai du nouveau stock qui arrive, je veux pas comme sortir du vieux stock encore dans 2 ans, mettons, faire 4 lancements. Donc, j'ai tout sorti ça d'un coup. Il y a Les Vestiges de l'Homme, La Marée et la Lune, Urbanophone et Pineal Party, finalement, qui sont vraiment plus électro, plus lounge, plus ambient aussi, et dark ambient, donc vraiment dans d'autres styles. Fait que oui, je touche un peu à vraiment beaucoup, beaucoup de styles différents. Oui, c'est impressionnant le nombre de groupes et de styles que tu as touchés. D'où est-ce que ça vient, ta passion pour la musique aussi élargie? Ben, ça vient de depuis que je suis tout petit. Moi, je me rappelle, une de mes profs de musique,
Chantal La Jeunesse, qui était au primaire. À un moment donné, il y a eu un batteur, Normand Doucet, qui est venu jouer dans le cours. Puis moi, j'ai complètement allumé là-dessus. Et je pense que c'est la même année, à Noël, que j'ai eu ma première batterie, là, comme telle à 11 ans. Fait que ça a commencé très jeune, puis ça n'a jamais arrêté. C'est super. Puis là, aujourd'hui, tu nous présentes deux compositions à la guitare électrique. Oui, exactement. Donc, en guitare en solo. Éventuellement, il va peut-être avoir des ajouts avec d'autres musiciens sur ces compos-là, mais pour l'instant, c'est vraiment des pièces que je fais en solo à la guitare. Bon, ben, on souhaite beaucoup de succès dans ta carrière de musicien qui est déjà bien, très bien commencé. Et ben, on écoute ta première chanson et au retour de la pause, Émilie reçoit Roger Nantel qui vient parler du Music Fest. N'attendez pas plus longtemps pour confier votre véhicule au plus grand spécialiste du pneu en région et soyez prêt à affronter l'hiver en toute sécurité. Chez OK Pneus et Cotonnes de Ville-Marie, vous trouverez les meilleures marques vendues par un personnel chevronné et soucieux de vous offrir les meilleurs conseils. Toyo, Kumho, Bridgestone, Firestone, Michelin et bien plus encore. Vous cherchez un pneu? Nous l'avons. Ne vous laissez pas surprendre par l'hiver. Laissez les experts de chez OK Pneus et Cotonnes de Ville-Marie s'assurer de votre sécurité et profitez de l'hiver au maximum. Bonne saison froide!
Le dépanneur La Pierreterie de Notre-Dame-du-Nord est un dépanneur licencié multiservice avec valideuse Loto-Québec, location vidéo, carte d'appel, une variété d'idées cadeaux et des produits pharmaceutiques. Comblez votre côté sucré grâce à son comptoir à jujubes. Agent du transport d'autobus Maheu, La Pierreterie vous offre aussi la cueillette de médicaments de la pharmacie Uniprix Ville-Marie ainsi que les services de nettoyeur à sec, photocopie et fax. Julien Jacinthe et le personnel de La Pierreterie vous attendent en semaine de 7h30 à 22h et les week-ends de 8h à 22h. Sachez aussi que l'établissement est à vendre, une belle opportunité d'affaires. C'est le temps de penser à votre prochaine expédition de chasse et c'est chez Okipneu Écotone de Ville-Marie que vous trouverez ce qu'il vous faut pour récolter votre orignal cette année. Nos experts sauront vous conseiller pour faire de votre chasse 2017 une expérience inoubliable. Sport Chief, Tika, Bushnell, Spy Point, Ferme Monette, Bock Expert et des centaines d'autres marques parmi les meilleures pour préparer votre chasse de rêve. Chasseurs, chasseuses, on se donne rendez-vous chez Hockey Pneus Écotone de Ville-Marie. Nous sommes prêts, le serez-vous? TV Témis est heureuse de compter sur des partenaires médias dans la présentation de 100% Témis. Ne manquez pas la diffusion de 100% Témis sur les ondes de CKVM FM les lundis et jeudis à 19h. Aussi, prolongez le plaisir et apprenez-en plus sur un de nos invités grâce au journal Le Reflet qui vous propose un article sur un des sujets abordés à 100% Témis chaque semaine. TV Témis, CKVM FM et Le Reflet, trois médias complémentaires qui s'unissent pour 100% Témis. TV Témis est en période de recrutement de membres. Devenir membre de TV Témis, c'est se payer un outil de communication essentiel au Témiscamingue. C'est participer à la vivacité de notre communauté, c'est contribuer au partage des bons coups locaux et régionaux. Devenir membre de TV Témis, c'est aussi la possibilité de contribuer à la diversité et à la qualité des émissions présentées, en plus de faire en sorte de maintenir 3 emplois permanents et plusieurs pigistes en région. Participez à la campagne de financement annuel en faisant un don minimal de 5 $. Votre membership vous donne aussi droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle. Faites votre don en personne ou par la poste au 3 rue principale sud à Notre-Dame-du-Nord, JOZ3BO. Visitez le site web temis.tv dans la section Services pour avoir tous les détails. L'équipe de TV Témis vous remercie. Les entrevues de cette émission ont été enregistrées à la Bannick. Plaisir, confort, émerveillement. De retour à 100% Témis, édition spéciale musique. Et justement, notre prochaine invitée plonge dans la musique durant la fin de semaine du Music Fest de Belle-Terre. Et justement, bien, c'est lui qui a fait partie du comité qui a lancé cet événement au Témiscamingue, Roger Nantel. Bonjour, Roger. Bonjour, Émilie, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Très bien, merci de l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Écoute, on a la chance de parler du Music Fest, un événement qui existe depuis déjà 8 ans. On est dans notre 8e édition cette année. Déjà, on a débuté en 2010, puis on est rendu en 2017. C'est notre 8e édition et nous en sommes très fiers. 8e édition. Et Roger, explique-moi comment tout ça a commencé, l'histoire du Music Fest. Une histoire très simple, hein? 3-4 gars autour d'une table avec un pichet d'eau froide en plein centre. Et puis, le grand leader du début de cette aventure-là, c'était notre regretté Capou. Puis, c'est lui qui a eu l'idée, en fait, de partir ce festival de musique-là, qu'on pensait pas qu'il viendrait aussi gros que ça, là. On est très fiers de ça aujourd'hui, mais ça a été le grand leader. Puis on a commencé là, puis il a leadé ça, puis on a fait... La première année, là, c'était un succès. Fait qu'on a, c'est ça qui a fait en sorte qu'on a continué à faire cet événement-là. Et puis, donc, le Music Fest de Belle-Terre, vous étiez vraiment une gang d'amis qui a parti ça. Roger, pour le village de Belle-Terre, qu'est-ce que ça représente, le Music Fest? Bien, notre situation géographique fait en sorte que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de passants. Donc, quand on crée des événements comme le Music Fest... comme aussi également le tournoi de pêche, l'Oasis et tout ça, là, ça amène les gens à l'extérieur. Donc, pour nos petits commerces, à nous, c'est vraiment agréable de voir que Dieu va et vient, puis c'est bon pour l'économie de notre petite municipalité. Et puis de l'économie, on parle notamment parce que les gens vont camper, parce qu'ils vont aller au resto. Exactement, ils vont profiter aussi de la station-service qu'on a avec les petits magasins, les deux restaurants, les campings, pourvoiries. Donc, on est assez bien équipés pour recevoir les gens. Et puis, Roger, bien, on peut dire que tu travailles quand même assez fort pour que le Music Fest reste en place. Mais c'est quoi le but derrière le Music Fest de Belle-Terre? C'est encore ça, c'est d'attirer les gens de l'extérieur, puis de un peu promouvoir, là, de montrer aux gens qu'est-ce qu'on a chez nous, qu'est-ce qu'on a à présenter, parce que quand même, on est un beau petit village. Puis c'est une fierté, hein, pour nous de présenter ce festival-là tous les ans, puis d'attirer les gens de l'extérieur et tous les fans de musique également. Puis comme je disais tantôt, vraiment pour faire connaître notre petit coin de pays. Et est-ce que vous trouvez qu'à travers les années, on voit une progression, là, que les gens commencent de plus en plus à en entendre parler du Music Fest? Plus ça va, plus on voit qu'il y a des gens de l'extérieur, mais qui viennent de plus en plus loin. Comme l'année passée, on s'est aperçu qu'il y avait des gens de Gatineau même qui étaient là,
ou qui ont entendu parler du Musicfest, je ne sais pas, mais il était là, puis c'est quand même surprenant. Puis, comme tu dis, là, on part depuis 2010, on a monté en flèche jusqu'à aujourd'hui, puis c'est pour ça qu'on continue. Et c'est quoi qui explique son succès au Musicfest? Tout revient aux gens, aux fans de musique. Hein. S'ils sont pas là, je veux dire, comme Lapoune disait, hein, notre public est important. Hein. Fait que si ces gens-là sont... Si les fans de musique sont là, donc c'est ça qui fait le succès. C'est sûr, il ne faut pas oublier les organisateurs et les bénévoles qui participent à ça aussi. Mm-hmm. Mais disons que c'est les fans de musique qui se présentent là qui fait que c'est un succès pour nous. Les fans de musique, vous les écoutez. Comment est-ce que vous faites pour vraiment faire les bons choix à chaque année? Durant l'année, là, on a toujours des tiennes. Les gens vont dire, ah, OK, on a eu okay, tel hommage. Vous devriez essayer d'avoir Def Leppard, entre autres. Je connais quelqu'un qui était fier qu'on reçoive Def Leppard cette année, dont toi, Émilie. Oui. Et puis, c'est ça. C'est souvent les idées des gens. Hein? Puis on essaie d'aller dans les hommages là, des années 80, 70, 80, 90. Puis la même recette qu'on a tous les ans, là, c'est d'avoir un groupe local. Ce qu'on va avoir cette année encore avec Zone 13. Et puis donc, le Music Fest de Belleterre, justement, qui à chaque année, on va chercher des artistes différents. Et puis également, bien, vous avez une petite soirée country là maintenant. Spécialement cette année. Étant donné que oui, c'est le Music Fest, mais c'est également le 75e anniversaire de notre petite ville. Donc, les organisateurs, on a décidé de faire un petit spécial country pour bien recevoir nos anciens. Donc, le vendredi soir, là, ça sera un vendredi country à 100%. Et puis, Roger, maintenant, tu sais, maintenir un événement comme ça, ça doit pas toujours être évident parce qu'on sait que tu travailles très fort pour que ça fonctionne. C'est quoi les efforts que tu dois mettre chaque année pour que ça reste en place, le Music Fest? Tu sais, quand le Music Fest se termine, le prochain commence. Donc, on travaille sur un an. Donc, on a les signatures de contrats avec les bandes. C'est pas toujours facile de signer des contrats. Plus ça va, plus les bandes sont exigeants. Et ensuite de ça, bien, le travail. Bon, alors, en fin de compte, le plus gros, la logistique dans ça, là, c'est surtout quand on parle, ça devient un petit peu colon, là, mais histoire d'étiquette, trouver les bénévoles, ça, c'est une tâche quand même assez ardue, de trouver les bénévoles. Puis grâce à Chantal et Nathalie qui font un travail exceptionnel là-dessus, souvent, on va boucler les bénévoles la dernière journée. Donc, tu sais, ça prend des bénévoles parce que les gens qui sont là, ils veulent voir le spectacle aussi. Là. Mm-hmm. Fait que, il y a plusieurs bénévoles impliqués dans ça. Et puis, oui, excuse-moi. Et grâce à eux, c'est pour ça que ça fonctionne. Effectivement, parce que sans bénévoles, un événement, ça ne peut pas exister. C'est ça. Et Roger, toi, à l'année longue, c'est quoi les tâches que tu dois faire pour que ça marche? Il y a beaucoup de promotions à faire. Hein? Même si, là, on a commencé la promotion aussitôt que le Music Fest l'année passée s'est terminé. On a commencé à promouvoir notre événement encore. Tu sais, c'est de la publicité, il faut en parler. Puis souvent, on dit à quelqu'un, OK, toi, tu viens au Music Fest, mais apporte un ami avec toi, tu sais, pour promouvoir ça, pour montrer que, tu sais, c'est vraiment... On veut montrer aux gens qu'est-ce qu'on a à offrir. Et c'est quoi qui caractérise le Music Fest? Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet événement-là? Festival en plein air. Festival en plein air, oui, c'est sûr que des fois, bien, plusieurs années, on a eu... excusez l'expression anglaise, avec la Dame Nature. Hein? Mm-hmm. Mais quand la température est là, c'est un festival extraordinaire. Effectivement. Et puis, ben, finalement, Roger, ben, on va souhaiter que le Music Fest continue encore bien des années. Est-ce que vous avez des projets futurs? Vous avez encore envie de continuer, là, j'imagine? C'est sûr qu'on est toujours à la recherche d'organisateurs, hein? Mm-hmm. Bénévoles organisateurs. Fait qu'on y va, depuis 2010, on y va d'année en année. Fait que seule l'année nous le dira, puis en espérant que ça va continuer longtemps. Parce que pour l'instant, tu es dans le comité organisateur avec quelques personnes? Oui, on est 5-6 organisateurs, mais on compte surtout sur les bénévoles. Au niveau de l'organisation, tu sais, signer les contrats avec les bandes, puis qu'est-ce qui est de la logistique, là, 2-3 personnes ont fait ça. Ou s'il y a beaucoup de travail, c'est au montage, la semaine avant et mm-hmm. la semaine après le festival. Effectivement. Tu sais, donc, monter le chapiteau, monter le stage, parce que tout le monde sait qu'on fait ça dans le terrain de tennis, donc il n'y a rien sur le terrain jusqu'à temps qu'on arrive et qu'on monte le stage. On doit monter d'un bout à l'autre, là, tout le site. Donc, Roger, on était présent cette année au Music Fest édition 2017. On visionne donc à l'instant un reportage qui a été réalisé sur les lieux. Merci, Roger Nantel, d'avoir été avec nous pour nous en parler. Merci beaucoup, Émilie. Le Music Fest a débuté en 2010, donc on est à une 8e édition cette année. C'est une gang de mélomanes ensemble, qui aiment la musique. Puis c'est de voir des groupes, musicaux et apprécier la musique, c'est tout. Et puis, comme on pourrait dire, on est fier de notre festival de musique. Et puis, ça s'en va en flèche à toutes les années, donc on est très heureux de vous recevoir ici. Vendredi, belle soirée country. On voulait faire une édition spéciale country, effectivement, pour le 75e anniversaire.
On a reçu un band du Nouveau-Brunswick, Louis Burubé et son band. On a reçu également Backbeat. Backbeat, qui est peut-être un peu mal connu, mais apprécié lorsqu'on les entend pour une première fois. Backbeat qui vient de Joliette, qui nous a fait un show country exceptionnel. On s'est rencontrés il y a 4 ans, puis on a formé Backbeat, qui est un répertoire vraiment des années 80 à aujourd'hui. Puis après ça, de fil en aiguille, on a décidé de monter notre projet country. Oui, l'année passée, en fait, on s'est lancé un défi. Je pense que c'est un défi pour chacun des 4 membres du band qu'on avait pas nécessairement touché à ce style de musique-là. Et on est fiers de notre projet. Où est-ce qu'on est rendu? Ça fait un an qu'on a décidé de monter le projet. Oui, puis c'était hier, quand on est venu jouer, c'était la 4e fois qu'on le faisait pour vrai. Donc. Samedi, on revient avec notre touche personnelle, qu'on pourrait dire soirée rock. Le Music Fest est là pour rocker. Donc, au début de la soirée, zone 13. Et un hommage tant attendu par beaucoup de vos collègues, disons, hommage à Def Leppard, qui nous vient de Sherbrooke. Si vous connaissez un peu Def Leppard, on sait que le drummer boit avec une seule main. Et l'hommage, ça fait la même chose, c'est le drummer à une main. On finit avec Backbeat, l'autre groupe de Joliette, qui fait Highway 65, excellent groupe que tout le monde va applaudir à la fin de la soirée. Nous, on appelait les bands avant, tous les groupes. Puis maintenant, c'est eux qui nous appellent pour jouer ici. C'est une fierté pour nous autres. Donc, c'est nous qui choisissons qui vient jouer. Puis on essaie de prendre les meilleurs groupes connus ou les meilleurs hommages qui existent là, même au Travail du Canada. Ici, les gens, peu importe l'heure, peu importe le moment, peu importe le style de musique, les gens sont dedans. C'est un party du début à la fin, puis c'est ça qu'on aime, nous autres, c'est ça qui est le fun. Puis vous avez, il y a comme de quoi, il y a comme une. L'atmosphère de Belle-Mère n'est pas pareille, comme mettons un gros show à Québec. Non, là, c'est ça, les gens sont. Vous êtes comme proches. Oui, c'est ça qui est on vraiment intéressant. Il y a comme un espace d'ambiance festive, party continuel. Là, on pourrait se coucher à 6 heures le matin. Là. Ça dérangera pas. Exceptionnellement, cette année, on a encore des bénévoles, des bons organisateurs et les fans, c'est les fans. Si les fans sont là, les organisateurs sont heureux et les bénévoles aussi. Donc, tant qu'il va y avoir des fans, le Music Fest va exister. Depuis le début, ça fait 7 ans que je fais du bénévolat. J'ai commencé au hamburger et au hot dog. Puis après ça, j'ai transféré, je fais un peu partout, je bouche les trous. Tu sais, le rock, c'est Belle-Terre, c'est le secteur S. Fait que ils ont été cherchés, ils ont été imprégnés dans le fond là, du rock. Fait que c'est avec ça qui font le Music Fest aujourd'hui. Quoi, selon toi, les gens devraient venir puis faire de cet événement un gros événement au Témiscamingue? Bien, Belle-Terre, de la réputation, c'est la chasse, la pêche, le plein air. Mais avec le Music Fest, bien, là, on se rend compte qu'il y a peut-être plus d'autres choses aussi à Belle-Terre. Fait qu'avec le Music Fest, bien, au moins, on fait la promotion. S'ils savaient qu'est-ce qui manque. Tu sais, on dit on est dans l'Est, là, mais s'ils pourraient venir voir juste ce qu'on est capable de. Pas de produire, mais de présenter comme programmation, là, c'est exceptionnel. Puis les gens qui viennent une fois reviennent d'année en année. N'attendez pas plus longtemps pour confier votre véhicule au plus grand spécialiste du pneu en région et soyez prêt à affronter l'hiver en toute sécurité. Chez OK Pneus et Cotonnes de Ville-Marie, vous trouverez les meilleures marques vendues par un personnel chevronné et soucieux de vous offrir les meilleurs conseils. Toyo, Kumho, Bridgestone, Firestone, Michelin et bien plus encore. Vous cherchez un pneu? Nous l'avons. Ne vous laissez pas surprendre par l'hiver. Laissez les experts de chez OK Pneus et Cotonnes de Ville-Marie s'assurer de votre sécurité et profitez de l'hiver au maximum. Bonne saison froide!
Le dépanneur La Pierreterie de Notre-Dame-du-Nord est un dépanneur licencié multiservice avec valideuse Loto-Québec, location vidéo, carte d'appel, une variété d'idées cadeaux et des produits pharmaceutiques. Comblez votre côté sucré grâce à son comptoir à jujubes. Agent du transport d'autobus Maheu, La Pierreterie vous offre aussi la cueillette de médicaments de la pharmacie Uniprix Ville-Marie ainsi que les services de nettoyeur à sec, photocopie et fax. Julien, Jacinthe et le personnel de La Pierreterie vous attendent en semaine de 7h30 à 22h et les week-ends de 8h à 22h. Sachez aussi que l'établissement est à vendre, une belle opportunité d'affaires. C'est le temps de penser à votre prochaine expédition de chasse et c'est chez Hockey Pneus Écotone de Ville-Marie que vous trouverez ce qu'il vous faut pour récolter votre orignal cette année. Nos experts sauront vous conseiller pour faire de votre chasse 2017 une expérience inoubliable. Sport Chief, Tika, Bushnell, Spy Point, Ferme Monette, Bock Expert et des centaines d'autres marques parmi les meilleures pour préparer votre chasse de rêve. Chasseurs, chasseuses, on se donne rendez-vous chez Hockey Pneus Écotone de Ville-Marie. Nous sommes prêts, le serez-vous? TV Témis est heureuse de compter sur des partenaires médias dans la présentation de 100% Témis. Ne manquez pas la diffusion de 100% Témis sur les ondes de CKVM FM les lundis et jeudis à 19h. Aussi, prolongez le plaisir et apprenez-en plus sur un de nos invités grâce au journal Le Reflet qui vous propose un article sur un des sujets abordés à 100% Témis chaque semaine. TV Témis, CKVM FM et Le Reflet, trois médias complémentaires qui s'unissent pour 100% Témis. TV Témis est en période de recrutement de membres. Devenir membre de TV Témis, c'est se payer un outil de communication essentiel au Témiscamingue. C'est participer à la vivacité de notre communauté, c'est contribuer au partage des bons coups locaux et régionaux. Devenir membre de TV Témis, c'est aussi la possibilité de contribuer à la diversité et à la qualité des émissions présentées, en plus de faire en sorte de maintenir 3 emplois permanents et plusieurs pigistes en région. Participez à la campagne de financement annuel en faisant un don minimal de 5 $. Votre membership vous donne aussi droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle. Faites votre don en personne ou par la poste au 3 rue principale sud à Notre-Dame-du-Nord, JOZ3BO. Visitez le site web temis.tv dans la section « Services » pour avoir tous les détails. L'équipe de TV Témis vous remercie. De retour à 100% Témis. C'est maintenant le temps de notre dernière chronique artistique avec Véronique Beaulé, agente de développement culturel à la MRC de Témiscamingue. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors Véronique, pour notre dernière chronique artistique, tu as décidé de nous parler d'un sujet, en fait, assez patrimonial, si on veut. Oui. Encadrer son patrimoine. Oui. Dans le fond, c'est que je souhaitais partager une initiative qu'on a eue à la MRC, mais dont j'entends beaucoup parler. Donc, je me suis dit, bien, pourquoi pas répandre l'idée ou donner notre idée à d'autres? Parce que à la MRC de Témiscamingue, on a beaucoup de murs, beaucoup de bureaux. Et on s'est dit, bien, comment on pourrait décorer ces bureaux-là? Bien, pourquoi pas utiliser des photos de chez nous, des photos de notre patrimoine, mais des photos de nos lieux magnifiques et de les encadrer ou de faire des œuvres sur nos lieux. Et on le sait, quand on encadre quelque chose, ça le rend plus magnifique, ça le rend plus beau, on a un attrait particulier. Donc, on est allé de différentes façons pour mettre en valeur notre patrimoine, mais aussi le territoire, donc de différentes façons. Donc, on a décliné ça en différentes façons de faire. On a fait faire des cadres photos. Donc, on a simplement pris des photos à travers le territoire, des fois, oui, du patrimoine, mais des fois, un super beau coucher de soleil ou un endroit qui est bucolique. Et on les a encadrés pour orner nos bureaux. On a aussi fait l'achat de plusieurs œuvres d'artistes. On en a une ici. Donc, veux pas, quand on met ça dans nos bureaux, ça léguait. Et d'une pierre deux coups, on a fait l'achat d'une œuvre d'un artiste d'ici. On a aussi fait depuis quelques années des cartes de souhaits. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on achète une œuvre originale. On demande aux artistes de nous soumettre leur candidature et le gagnant, on achète une œuvre originale et ça devient une carte de souhait. Ça, c'est une carte de Noël qu'on a fait faire. Donc, ça nous permet de faire voyager ces œuvres-là, mais aussi de recevoir une carte comme ça. Je t'invite à prendre le premier cadre. Ouais. Bien, moi, je les encadre puis je les mets dans mon bureau parce que je me dis, bien, c'est comme une œuvre miniature qu'on a. Donc, ça nous permet de faire ça aussi. Suite à ces expériences-là, on a aussi choisi d'y aller vers des cartes postales. Donc, on a fait faire une série de tableaux par Francine Marcotte sur l'architecture de notre patrimoine. C'est des immenses tableaux qui sont affichés dans les salles de conseil à la MRC. Mais comme ces œuvres-là étaient difficiles à faire voyager, bon, on les a fait prendre en photo pour des plus petits cadres qui se promènent là présentement. Ils sont à différents endroits, soit dans des sites théâtrés ou dans des bibliothèques. Mais on a fait faire aussi des cartes postales. Et même chose, on peut encadrer ces fameuses cartes postales pour donner une place prépondérante à notre patrimoine. Moi, le plus beau commentaire que j'ai quand des gens viennent à la MRC puis se promènent dans nos bureaux puis voient
ces œuvres-là, ils nous disent « Ah, bien, ça, c'est pas chez nous. » Bien, oui, c'est chez nous et c'est à tel endroit. Puis moi, je me fais un malin plaisir à leur expliquer que, tu sais, s'ils veulent voir cet endroit-là. Puis souvent, quand on commence à en parler, « Ah, oui, 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 là, je replace, c'est où sur le territoire? » Donc, les gens... À Brûle-Pourpoint, ils ne pensent pas que c'est sur notre territoire, mais quand on commence à en discuter un peu avec eux, ah oui, là, ils replacent c'est où l'endroit, puis ils sont fiers de voir que c'est si beau, soit chez nous, que notre patrimoine est si intéressant. On a un autre exemple aussi derrière. Oui. On a fait faire ça, c'est une primaire, parce qu'on a une expo, on a une expo qui s'en vient sur les granges doubles, et on a travaillé avec, pour ne pas le nommer, Frédéric Patoine, qui a fait les photos, et on a fait encadrer ces photos-là. Et là, ça a eu un engouement dans mon bureau. Il y a des collègues qui les ont vus, qui en ont voulu dans leur bureau. Mais éventuellement, ce sera une série photo pour une exposition. Donc, nous, ça nous permet à la fois d'encourager un photographe d'ici, de mettre nos images sur nos murs et de faire un produit qui est 100% témiscamien, parce que c'est une photo d'ici, prise par un photographe d'ici, encadrée par la fabrique de Gepetto. Donc, c'est tout une entreprise d'ici. Donc, c'est tout un produit culturel qui a été fait ici. Et... pour nous, on trouve que c'est aussi la meilleure façon de remercier des gens qui sont venus sur notre territoire. Souvent, à la MRC, on reçoit un maire d'une localité qui est ailleurs au Québec, ou on reçoit, par exemple, un dirigeant politique ou quoi que ce soit. On a pris comme habitude de remercier ces gens-là, mais en leur offrant des trucs qui sont 100% faits au Témiscamingue. Peut-être pas des œuvres de cette grandeur-là, mais des plus petits formats ou des œuvres d'artistes qu'on a achetées lors de la Biennale, par exemple, qui sont des petits formats qui s'amènent bien. Ça permet à ces gens-là de rapporter un petit bout de notre territoire avec eux et peut-être un jour de revenir parce que ça leur rappelle qu'ils sont passés au Témiscamingue. Donc, c'est une façon pour nous, mais que j'invite les gens à faire, au lieu d'acheter parfois des œuvres toutes faites, bien, de prendre la peine de s'adresser à un photographe ou à quelqu'un qui fait des super belles photos dans votre famille ou vous-même. Puis des fois, bien, juste la mettre dans un cadre, de l'afficher dans nos bureaux. Ça fait différent. Ça fait différent. Puis ça, c'est une autre façon d'apprécier notre patrimoine. Parce que notre patrimoine, on le voit. On le voit à certains endroits, par exemple, quand on passe en voiture, le patrimoine immobilier. Mais si on le prend en photo, qu'on l'encadre comme ça, puis qu'on le met sur nos murs, ah, ça vient de donner une tournure un peu différente. Plus de gens l'apprécient, plus de gens nous posent des questions, nous interpellent sur notre patrimoine. Donc, c'est un peu une façon pour nous, mais que j'invite les autres aussi à faire, de prendre la peine de mettre en valeur notre territoire de cette façon-là. Parce que si on prend, par exemple, quand on s'en va en voyage en Gaspésie... On prend des cartes postales de la Gaspésie. Effectivement, on va acheter un beau cadre avec le rocher percé qui est peinturé, mais on peut faire la même chose ici. Là, c'est un petit peu peut-être ce que vous voulez faire. Oui, exactement. Puis les cartes postales, un peu, ont servi à ça parce que, oui, c'est intéressant, une œuvre, mais ça a un coût. Donc, souvent, quand on veut s'acheter quelque chose en voyage, comme tu parlais, bien, le coût, peut-être pas, notre budget ne va pas passer nécessairement dans une œuvre, mais de ramener comme ça des cartes postales ou de se procurer des cartes de souhait ou d'avoir une miniature de quelque chose, une reproduction, c'est une belle façon de garder une trace de notre territoire ou de notre voyage, mais c'est une façon aussi pour nous d'offrir aux touristes une petite partie de notre Témiscamingue, donc d'une certaine façon. Et puis vous avez... comment avez-vous procédé? Vous avez contacté vous-même le photographe? Il y a différents projets qui sont issus de différentes façons de faire. Les cartes de souhait, c'est vraiment un appel aux artistes. On leur demande de nous soumettre des œuvres. On fait un processus de sélection avec un jury. J'implique mes collègues de la MRC parce qu'il y a ça aussi. Quand on affiche une œuvre dans un bureau, bien souvent, une œuvre d'art, il faut que ça nous parle pour qu'on l'apprécie puis pour que quand on ouvre la porte de notre bureau, on est content de la voir là. Donc, moi, j'implique mes collègues là-dedans. Je leur fais choisir. OK, si ça, je mets ça dans ton bureau, ça t'interpelle. T'es content, tout ça. Donc, avec les cartes de souhait, c'est un peu comme ça qu'on en arrive à acheter une œuvre, puis qu'on a fait les cartes de souhait, les photos. Ensuite, on a fait d'autres travaux au niveau du patrimoine où on a été appelé à avoir des productions artistiques. Donc, on a eu des œuvres de Francine Marcotte qu'on a commandées. L'œuvre est encadrée, c'est super, mais si on veut la faire voyager davantage, oui, on a appelé un artiste, on les a fait prendre en photo. Ensuite, on a travaillé avec Christian pour l'encadrement. Et là, ces œuvres-là ont circulé dans quelques bibliothèques. Donc, ça nous permet de faire comme plusieurs produits. J'aime pas ça dire ça, mais dérivé à partir d'une expo ou à partir de quelque chose qu'on a, oui, mis en salle une première fois, mais qui, après ça, vient soit décorer nos murs ou vient profiter là, aux différentes municipalités qui veulent les recevoir, ces expositions-là, soit dans des lieux là, communs pour que plus de gens possible... Mon but, c'est que le plus de gens possible voient des œuvres témiscamiennes puis voient notre territoire de façon différente. Et si par les arts, ça fonctionne, bien,
tant mieux. Puis, il y a des photos, bien, qu'on avait des banques de photos à la MRC, qu'il y a des gens qui avaient prises pour telle occasion, où on a commandé des fois des photos. Et là, bien, quand mes collègues les voient, bien, ils veulent des encadrements dans leur bureau. Mmh. Fait qu'on fonctionne comme ça. Et à l'arrivée du temps des fêtes, Véronique, ça peut être un excellent cadeau à remettre justement à ses proches-là. Tout à fait, parce qu'on peut penser qu'un encadrement comme celui-là est hyper dispendieux, mais ce n'est pas le cas. Tu sais, il faut prendre le temps d'interpeller les gens, d'interpeller les artistes, de discuter avec eux si vous avez un projet artistique ou un projet de décoration ou d'encadrement, puis vous connaissez un artiste, prenez la peine de le contacter puis validez avec lui. Souvent, il y a des artistes qui vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres et qui, soit l'exposition est terminée ou quoi que ce soit, et qui vont souhaiter s'en départir, mais qui ne font pas nécessairement de vente. Mais quand on les contacte, ils peuvent vous dire, ben oui, moi, j'en ai, j'ai une série ou j'ai telle œuvre que je serais intéressée à me départir. Et on peut faire l'achat par cette façon-là ou d'interpeller, comme je disais, des photographes que l'on connaît ou qui sont sur le territoire. Bien, c'est une façon de mettre en valeur notre territoire et notre patrimoine. Alors, encadrer son patrimoine, c'est une belle idée qu'on a. Merci, Véronique Beaulé, d'avoir été avec nous. Merci également d'avoir été là pour l'ensemble de cette saison de 100% Tennis. Dans le cadre de notre émission spéciale Musique, on reçoit en studio un jeune Témiscamien qui déborde de talent pour la musique. En mai dernier, il a non seulement lancé son premier album, Intuition, mais il a également lancé sa première nouvelle littéraire, Sempiternellement. On accueille donc Jordan Maillé. Bonjour, Jordan. Bonjour. Très content d'être ici. Ben oui, t'es content, mais tant mieux. Nous aussi, c'est un honneur de te recevoir parce que, malgré ton jeune âge quand même, tu as 18 ans. Oui, c'est ça. Tu as lancé en mai un album, mais également une nouvelle littéraire. Oui. Donc, tu fais pas les choses à moitié, là. Non. Deux lancements en un. Deux lancements en si peu de temps. Et puis avant d'en parler un petit peu plus en détail, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ta passion pour la musique. C'est parti de quand même assez longtemps, là. Oui, ça fait longtemps, c'est sûr. Bon, ma mère fait de la musique. L'ensemble de la famille de ma mère est dans la musique. Je dirais les premières fois où j'ai touché à la musique, c'est vraiment jeune, à l'âge de 4 ou 5 ans, à partir du piano. Donc j'ai toujours fait du piano, ça a tout été mon instrument. Ensuite, ça a été les shows, la scène au secondaire particulièrement. C'est là que tu as découvert la scène au secondaire? Oui, beaucoup, beaucoup au secondaire, moins au primaire. Au secondaire, c'était ce show sonore, ce job, secondaire en spectacle. Puis mais ensuite, au primaire, tu en faisais un petit peu là, avec ta mère et ta soeur, si je ne me trompe pas. Oui, on a fait quelques parutions à TV Témis, justement. Quelques parutions, mais sur scène, je dirais que c'était moins présent. Vraiment, au secondaire, c'est là que j'ai eu la piqûre pour la scène. Puis j'ai toujours travaillé un petit peu sur un projet d'album en parallèle, mais c'est la scène qui m'a permis justement de mettre en pratique un peu ce que j'avais appris. Et puis, depuis que tu as 12 ans, si je ne me trompe pas, tu écris, tu fais tes compositions, et là, tu es rendu à 18 ans, tu es rendu à combien de compositions? Là, j'ai 7 compositions à mon actif, donc c'est vraiment piano instrumental. Il n'y a pas de voix, c'est uniquement piano, mais ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Et puis, comment est-ce que tu décrirais ton évolution dans le monde musical? C'est une bonne question. Je dirais que la musique, c'est pas une ligne droite. C'est vraiment... On sort du chemin, on sort des sentiers battus. Parce que chaque personne a sa propre façon de jouer. C'est sûr, il y a la théorie à apprendre, il y a des grandes idéologies, il y a beaucoup de cadres théoriques. Mais à travers ça, c'est de sortir puis avoir une touche personnalisée. Pour réussir à composer quelque chose qui est original, mais qui vient aussi nous satisfaire personnellement. Puis toi, ta touche personnalisée, c'est quoi? Je dirais, c'est un mélange de styles. C'est pas un style particulier, c'est beaucoup d'influences classiques, d'influences impressionnistes. Donc plus moderne, aussi post-moderne, parce que le piano que je joue, c'est très différent de la musique classique qu'on peut entendre. C'est complètement un cadre moderne différent. Et puis, Jordan, en tout et partout, ça t'a pris combien de temps? Créer, réaliser, écrire, en fait, produire ton album? Si je considère mes premières compositions, ça fait 5 à 6 ans. De 5 à 6 ans. Oui. Et ça, est-ce que c'est un projet que tu avais en tête, que tu étais certain que tu voulais faire? Oui. Depuis que j'ai commencé à composer, je me dis un jour, je dois faire une compilation de mes compositions pour sortir un album. Peu importe le projet que ça va être, il faut au moins que je garde un souvenir de ce que j'ai fait. Et puis, dans ton album que tu as lancé, c'était le 20 mai dernier, hein, si je ne me trompe pas, à la Galerie du Riff, tu comptes 6 morceaux? 6 morceaux. 6 morceaux. Oui. On peut le montrer, d'ailleurs, là, ton album Intuition. Et puis,
Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ces morceaux-là? C'est 6 morceaux très différents. Donc, bon, c'est sûr, le thème intuition revient à travers ça. Mais s'il y a un concept, donc si tu veux montrer le derrière de la pochette, il y a 6 de mes compositions, donc intuition, impression, répercussion, progression, rétroaction et substitution. Donc, ça suit une tendance vraiment vers la recherche d'une création, le processus de création à travers tout ça, comment on peut réussir à trouver, à partir d'une idée, arriver à un résultat fini. C'est vraiment ce que tu recherchais. Oui. Et puis, tu as aussi lancé en même temps une nouvelle littéraire. Oui. On dit lancer. En fait, c'est que tu as remporté un concours au Cégep. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait, c'était pas au Cégep, c'était l'année passée, ça fait un an déjà. C'était pas au Cégep. C'était le prix littéraire jeunesse Télé-Québec. Donc, c'est un prix qui est à l'adresse aux 17 ans et moins dans le cadre du Salon du livre. C'est « Il faut bâtir une nouvelle littéraire ». Et ils vont choisir un lauréat, puis des fois, il y a une mention coup de cœur. Donc, l'année passée, j'ai été récipiendaire du prix du lauréat. Donc, le lancement consistait, c'était le prix, en fait. Donc, à partir de la nouvelle, ils nous faisaient vraiment mettre le processus d'auteur. La correction, la mise en page, la production de A à Z. Et puis, tu as profité de l'occasion pour faire aussi, en même temps, le lancement de ton album. Oui, c'est ça. Je me dis quelle belle opportunité. Parce que je voulais sortir mon album, mais je voulais pas faire 2 événements parce que, aussi, c'est compliqué, c'est beaucoup de temps, beaucoup de patience. Donc, j'ai décidé de faire les 2 en même temps. Et là, toi, Jordan, tu étudies présentement à Rouyn-Noranda? Oui. En sciences nature. En sciences nature, au cégep de Rouyn-Noranda. En sciences nature. Tu as de la passion pour la musique, mais est-ce que c'est dans ce domaine que tu te diriges après? Je pense pas. Honnêtement, c'est sûr, je veux continuer à m'étudier. Je veux continuer à me former, mais je pense pas faire ma vie avec ça. Je trouve la musique, ça peut être autant un hobby qu'être une passion qui est tout le temps en parallèle, même si on a une vie de travail différente. Et c'est comme ça que tu envisages la suite. Oui. Et puis, est-ce qu'on peut prévoir d'autres projets pour toi dans le futur? Oui, c'est ça, ça n'arrête jamais. Là, j'ai d'autres compositions à mon actif. Je travaille encore là-dessus. J'ai beaucoup d'idées de projets. Je ne veux pas trop en dire. Je ne veux pas me dévoiler. Autant du côté littéraire que du côté musical. Donc, c'est sûr, l'écriture, c'est une passion plus nouvelle que j'avais. Mais j'ai décidé de continuer dans cette veine-là parce que je me dis, bon, peut-être mon produit a bien marché cette fois-ci, mais je vais encore continuer d'en faire. Et puis, Jordan, juste pour revenir un petit peu sur ta nouvelle littéraire, là, si on veut briefer les gens, le terme français étant, si on veut donner un petit aperçu de ce que c'est, de quoi ça parle? C'est un contraste entre un jeune homme, bien, un jeune enfant de 5-6 ans et un vieillard. Donc, c'est vraiment un contraste entre la jeunesse et la sagesse, on peut dire ça. Puis on voit une évolution psychologique au sein du vieillard par rapport à l'enfant. Donc l'enfant va amener un changement chez la façon de voir la société ou du vieillard. Je veux pas dire la fin, parce qu'une nouvelle terre, c'est ça le but, c'est de pas savoir la fin. Il y a une fin inattendue. Donc on peut voir au début que le vieillard est, disons, un peu en recul de la société. Il aime pas trop ce qui se passe, comment la société est en train de devenir. Puis le jeune enfant va peut-être lui faire changer sa perception des choses. Donc, à découvrir. Et comment est-ce qu'on fait si on veut connaître la suite? Comment peut-on se procurer ton livre et ton album en même temps? Oui, actuellement, c'est juste moi qui les vends. Donc, c'est vraiment une production maison. C'est sûr, c'est très facile de me contacter sur Facebook, par téléphone, au Témiscamingue, on s'entend. Le bottin téléphonique, Marco Maillé, le nom de mon père, je suis là. Donc, mais par Facebook, c'est assez simple de me rejoindre. Parce que, est-ce que tu as été satisfait de la demande? Est-ce que les gens ont bien répondu à ton lancement, tout d'abord? Oui, au lancement, il y a une 40aine de personnes. Je trouvais ça très bon parce que pour une fin de semaine du 20 mai, quand il y avait les rigolades à la Verchère, je pense, cette fin de semaine-là, il y a beaucoup de choses qui bougent au Témiscamingue l'été. Puis je me dis, bon, c'était excellent. Il faisait très beau dehors en plus, donc je me dis, je vais peut-être avoir moins de monde. Et c'était ta fin de session en même temps, Jordan? En même temps, oui. C'est quelqu'un de très ambitieux, faut pas se le cacher. Oui, je voulais faire ça la première fin de semaine pour me permettre de présenter mes projets durant l'été. Ouais. Alors, Jordan, ben un gros merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci à vous. De nous avoir parlé de ta passion, puis on te souhaite bonne chance dans tous tes projets futurs parce que à 18 ans, un album et... Moi, j'appelle ça un livre, là, une nouvelle littéraire. On peut dire. On peut dire que c'est un livre. Là. Eh bien, c'est vraiment génial. Merci, Jordan. Merci. Après la pause, on retrouve Alain Guimond pour une dernière chronique voyage.
Le dépanneur La Pierreterie de Notre-Dame-du-Nord est un dépanneur licencié multiservice avec valideuse Loto-Québec, location vidéo, carte d'appel, une variété d'idées cadeaux et des produits pharmaceutiques. Comblez votre côté sucré grâce à son comptoir à jujubes. Agent du transport d'autobus Maheu, La Pierreterie vous offre aussi la cueillette de médicaments de la pharmacie Uniprix Ville-Marie ainsi que les services de nettoyeur à sec, photocopie et fax. Julien Jacinthe et le personnel de La Pierreterie vous attendent en semaine de 7h30 à 22h et les week-ends de 8h à 22h. Sachez aussi que l'établissement est à vendre, une belle opportunité d'affaires. C'est le temps de penser à votre prochaine expédition de chasse et c'est chez Okipneu Écotone de Ville-Marie que vous trouverez ce qu'il vous faut pour récolter votre orignal cette année. Nos experts sauront vous conseiller pour faire de votre chasse 2017 une expérience inoubliable. Sport Chief, Tika, Bushnell, Spy Point, Ferme Monette, Bock Expert et des centaines d'autres marques parmi les meilleures pour préparer votre chasse de rêve. Chasseurs, chasseuses, on se donne rendez-vous chez Hockey Pneus Écotone de Ville-Marie. Nous sommes prêts, le serez-vous? TV Témis est heureuse de compter sur des partenaires médias dans la présentation de 100% Témis. Ne manquez pas la diffusion de 100% Témis sur les ondes de CKVM FM les lundis et jeudis à 19h. Aussi, prolongez le plaisir et apprenez-en plus sur un de nos invités grâce au journal Le Reflet qui vous propose un article sur un des sujets abordés à 100% Témis chaque semaine. TV Témis, CKVM FM et Le Reflet, trois médias complémentaires qui s'unissent pour 100% Témis. TV Témis est en période de recrutement de membres. Devenir membre de TV Témis, c'est se payer un outil de communication essentiel au Témiscamingue. C'est participer à la vivacité de notre communauté, c'est contribuer au partage des bons coups locaux et régionaux. Devenir membre de TV Témis, c'est aussi la possibilité de contribuer à la diversité et à la qualité des émissions présentées, en plus de faire en sorte de maintenir 3 emplois permanents et plusieurs pigistes en région. Participez à la campagne de financement annuel en faisant un don minimal de 5 $. Votre membership vous donne aussi droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle. Faites votre don en personne ou par la poste au 3 rue principale sud à Notre-Dame-du-Nord, JOZ3BO. Visitez le site web temis.tv dans la section « Services » pour avoir tous les détails. L'équipe de TV Témis vous remercie. N'attendez pas plus longtemps pour confier votre véhicule au plus grand spécialiste du pneu en région et soyez prêt à affronter l'hiver en toute sécurité. Chez Hockey Pneus Écotone de Ville-Marie, vous trouverez les meilleures marques vendues par un personnel chevronné et soucieux de vous offrir les meilleurs conseils. Toyo, Kumho, Bridgestone, Firestone, Michelin et bien plus encore. Vous cherchez un pneu? Nous l'avons. Ne vous laissez pas surprendre par l'hiver. Laissez les experts de chez Hockey Pneus Écotone de Ville-Marie s'assurer de votre sécurité et profitez de l'hiver au maximum. Bonne saison froide! De retour à 100% Témis et on est déjà rendu à accueillir notre dernier invité de la journée, mais également notre dernier invité de la saison, Alain Guimont, avec la capsule, la chronique voyage plutôt. Bonjour Alain. Bonjour. Alors Alain, aujourd'hui on parle d'un sujet qui a une destination qui est quand même, en fait, il paraît qu'à chaque fois qu'on y va, on a la piqûre et on veut y retourner. Le mystérieux pays qu'est l'Inde. Ouais, il y a un peu des deux parce qu'en arrivant en Inde, il y a un choc culturel puis personnel qui est vraiment qu'on voit pas ailleurs. En fait, parce que l'Inde, étant donné toute la diversité qu'il y a là, que ce soit culturelle, religieuse, culinaire, les paysages, tout ça, mais quand on arrive là, on n'est jamais indifférent. L'Inde, elle vous frappe comme un camion en arrivant, là, vraiment, parce que c'est comme nulle part ailleurs. C'est une autre planète, en fait. Une planète. Ouais. Oui, oui, c'est vraiment une planète, oui. En fait, c'est nous autres les extraterrestres quand on arrive là, parce qu'on atterrit dans un endroit qui a nulle part ailleurs. L'Inde, ça dérange, l'Inde, ça déstabilise, elle choque, elle fascine, puis elle émerveille aussi. Mais elle fait appel à tout ce qu'on a comme préjugés ou tout ce qu'on a comme tolérance en tant qu'être humain, vraiment. L'Inde, il y a des... on va voir, mettons, des gens très, très propres, mais qui se promènent, mettons, dans des rues sales. On va voir des gens qui vont faire de la méditation, mais au milieu là, du trafic puis des klaxons. On va voir des femmes avec des saris aux couleurs éclatantes qui se promènent pieds nus dans des rues, des fois, qui sont défoncées. On va voir les gens des plus pauvres
donner le peu qu'ils ont à des sadous, les gens saints qui sont là à la porte des temples. Puis c'est tous ces paradoxes, puis ces contrastes-là qui fait que l'Inde, ben c'est aussi un des pays les plus merveilleux du monde. Mm-hmm. Mais c'est surtout une expérience qui est assez déstabilisante, là, j'imagine, de ce oui. que vous dites. Là. Oh, oui, totalement. Puis un de mes amis, Robert Bérubé, qui est le propriétaire d'une agence qui s'appelle Les Routes du Monde, qui est allé en Inde une quarantaine de fois, puis qui entretient une relation amour-haine, vraiment, avec l'Inde. Puis il me disait qu'il y avait deux types de voyageurs. Quand on arrive en Inde, il y a le voyageur qui arrive, puis qui se met à genoux, puis qui embrasse le sol, puis qui dit « Où étais-tu toute ma vie? » Puis qui est tellement heureux d'être là. Puis il y a aussi le voyageur qui, en arrivant, fait « Qu'est-ce que je fais ici? Vraiment? » T'sais, mais dans tous les cas, on est très, très fatigué parce qu'on a traversé la moitié de la planète. On arrive là, on a fait 20 heures de vol, puis on ressemble vraiment à notre photo passeport. Okay. Et puis toi, Alain, quelle était ta réaction? Lequel des deux voyageurs ouais. est-ce que tu étais? Moi, j'étais plus dans la première catégorie, mais pour mon épouse Chantal, ça a été vraiment violent comme choc. Oui, absolument. Bien, en fait, en arrivant, on arrive au milieu de la nuit, c'est moins pire, mais pour se rendre à l'hôtel, on se rend compte qu'il y a des gens un peu partout, c'est quand même animé, même si c'est tard le soir, mais déjà, il y en a qui se préparent pour passer la nuit en dessous des arcades, dans la rue, mais il y a encore des odeurs de nourriture, il y a encore des épices, il y a encore de toutes sortes de choses qui se passent quand même. Mais on regarde tout ça, puis on n'est pas trop sûr. Ça sent-tu bon? C'est-tu beau? On est trop fatigué. Donc, on s'en va à l'hôtel. C'est un oasis. Dans ces conditions-là, c'est très bien. Moi, j'étais un lève-tôt en voyage. Donc, le matin, au lever du soleil, je suis arrivé sur le dessus de l'hôtel. Là, j'ai regardé la ville s'animer, se réveiller. Puis déjà, au lever du soleil, on voit des gens qui apparaissent sur les toits. Puis il y a des citernes sur les toits. Donc, les gens utilisent cette eau-là pour se laver. Donc, déjà, sur les toits, on peut voir des hommes, des femmes en train de se laver, se raser, se préparer pour leur journée. Puis, on regarde la rue. Puis là, il y en a qui attendent pour avoir du travail, qui sont, mettons, sur un tas de roches. Puis, ils attendent parce qu'ils savent qu'il va y avoir un contremaître qui va arriver pour engager des gens. Il y a des échoppes qui s'allument. Tout s'éveille. T'sais. Puis moi, je suis émerveillé de tout ça. Donc, je m'en vais chercher mon épouse Chantal. Puis, je dis, viens-t'en, il faut aller voir ça. On prend le petit déjeuner, puis on s'en va se promener dans la rue. Puis, on a fait deux coins de rue, puis elle me regardait, elle était blanche comme un drap. Elle dit, je veux m'en retourner, tu sais. Ben, je dis, OK, mais on va retourner, on retourne à l'hôtel. Tout ça, elle dit, non, 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 non. Elle dit, je veux retourner chez nous. C'est vraiment ça que ça fait comme choc. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont ce choc-là aussi en arrivant là-bas. Donc, ça a pris une couple de jours, vraiment, là, aller dans le tumulte de Delhi, puis pour commencer à s'émerveiller. Puis que cette espèce de choc qui fait que je me sens pas à ma place, puis commencer à m'émerveiller. Ça a pris deux jours là, dans son cas, mais c'est pas inhabituel. Ça arrive souvent que c'est comme ça. Ça arrive souvent parce que c'est vraiment un gros choc. Là. Oui, 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 c'est un choc. Mais en même temps, le choc culturel, c'est l'essence même du voyage. Hein? Aller à la rencontre de l'inconnu, de se laisser surprendre, de ne pas comprendre ce qui se passe, ça vaut la peine d'aller voir un peu comment les autres êtres humains sur la planète vivent. Mm-hmm. En Inde, il y a un humain sur six qui vit en Inde ou en Chine. Donc, c'est pas vrai qu'on vit tous comme nous, les Nord-Américains. Donc, ça vaut la peine d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Puis je dis souvent que le voyage, c'est la chose qu'on achète, la seule chose qu'on achète, en fait, qui nous rend plus riches. Puis je peux vous dire que l'Inde, à ce compte-là, c'est un très bon investissement. Oui, parce qu'on a le choc culturel, mais pour le voyageur, à part le choc culturel, qu'est-ce qui
qui va l'enrichir? Bien, en fait, c'est un très grand pays. On parle de 1,3 milliard d'habitants. Delhi tout seul, on a parlé du choc de Delhi, puis d'arriver en Inde, parce que souvent, on va arriver par là, mais c'est juste 20 millions d'habitants. Je dis juste 20 millions d'habitants, mais il y a beaucoup d'autres choses. On va en Inde parce que il y a... pour la culture, c'est sûr, mais on va aussi pour les paysages. On va pour le patrimoine bâti, on va voir les temples, on va assister à des crémations sur le Gange, on va participer à des cérémonies, mais on va aussi aller voir des endroits extraordinaires. Exemple, tout le monde connaît le Taj Mahal à Agra, qui est le temple de l'amour. Donc, on va là pour ça. On va au Temple d'Or à Amritsar, qui est aussi extraordinaire. On va au Palais des Vents à Jaipur. On va pour les plages. Il y a des plages en Inde. On va au sud de l'Inde. Il y a des plages extraordinaires. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais c'est surtout aller à la rencontre... des gens. Aller à la rencontre de cette culture-là. Il y a beaucoup de religions. En Inde, mais il y a beaucoup, à ce moment-là, de coutumes qui sont très, très différentes des nôtres. Donc, c'est complètement dépaysant. Puis pour ça, c'est absolument merveilleux. Ouais. Et Alain, à la venue du temps des fêtes qui approche, les gens souvent décident de prendre cette période-là pour aller en voyage. C'est un endroit qu'on recommande aux gens. Ah oui, absolument. C'est une bonne période pour y aller. Puis nous, on a aussi une entente avec les Routes du Monde qui sont spécialisées sur la destination puis qui ont eu des offres incroyables pour aller en Inde, pour rencontrer l'Inde avec les gens, pour aller voir l'Inde à travers les religions, pour aller voir à travers les coutumes. Bien, Alain, c'est ce qui conclut notre dernière chronique voyage. Merci énormément d'avoir été avec nous tout au long de cette émission de 100% Témis. Alors, justement, c'est ce qui conclut également notre édition de 100% Témis, notre dernière émission. On va aller rejoindre notre invité pour une dernière prestation musicale. Mais avant, justement, comme je l'ai mentionné, c'est ce qui conclut cette édition 2017 de 100% Témis. Je vous rappelle qu'elle est diffusée également sur les ondes de CKVM les lundis et jeudis à 19h. Il y aura également un dossier complémentaire à l'émission dans le journal Le Reflet, l'édition de cette semaine. Merci énormément à La Bannique pour l'accueil, pour le lieu de tournage et pour les repas. Donc, La Bannique, plaisir, confort, émerveillement, on peut en témoigner. Merci aux invités qui ont accepté de venir sur le plateau de tournage et qui nous ont permis de vivre d'excellentes entrevues, d'excellents moments. Merci également à toute l'équipe de TV Témis et merci à vous, cher public, d'avoir été avec nous au cours de cette édition de 100% Témis, au cours des 8 émissions. Donc, on se dit à l'année prochaine.